Jeannine Hassani Issouf qui est restée sur 3 titres de championne de France en salle de suite et qui va aller s'envoler à 14m06. Jeannine à son deuxième essai. Bon, mais à ce moment du concours, elle se dit qu'au moins elle peut repartir de Liévin avec un titre de championne de France, parce que 14 mètres ça reste élevé, d'autant que Rougui Diallo, elle, a loupé ses 3 premiers essais et ne s'est pas qualifiée pour la finale. Mais c'était sans compter sans la jeune Ilionis Guillaume, entraînée par Teddy Tamgo du côté de Montpellier puis du côté de Reims. Elle vient des épreuves combinées, elle a un talent fou, et à son dernier essai, au 6ème essai romain, elle va passer pour la première fois de sa carrière au-delà des 14 mètres. Ouais, super, super mentalité, super combativité de Ilionis qui vient des épreuves combinées, qui a dû prendre cette âme de guerrière dans les heptathlons. C'est une fille pétrie de qualité, une très grande sauteuse, des records fous dans les sauts et sur les haies. Et elle fait parler ça notamment en sa course d'élan. Et Jeannine Hassani Issouf ne voulait pas en rester là, elle avait un dernier essai, le 6ème, pour aller s'imposer. Malheureusement, cet essai est mordu et avorté et elle devra concéder son titre de championne de France, elle qui est restée sur 3 titres consécutifs. Et elle est heureuse, Ilionis Guillaume. Souvenez-vous de ce nom et de ce visage, parce que c'est la première fois de sa carrière qu'elle passe la barre des 14 mètres, 14 mètres 07 exactement.